Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma collection de cartes Pokémon. Nous allons voir tout ça ensemble et tout de suite. Donc en espérant que cette vidéo vous plaira. Et on se retrouve tout de suite avec mes cartes. Let's go! Attends, ça, on va le mettre au-dessus. Et on va commencer par la série Pokémon Go. Allez, c'est parti. Donc si jamais je recherche certaines cartes, donc y compris la Reptincelle Reverse. Donc si jamais vous les avez et vous les vendez, je suis preneur. Ou un échange, comme vous voulez. Donc j'espère que ce style de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu, à commenter, à partager. Ça ferait super plaisir. Donc là, bon, il manque surtout les ultra rares et tout. Là, c'est les promos, les deux métamorphes. Il m'en manque une d'ailleurs. Voilà, donc on va passer un peu par-dessus comme ça. Comme ça, vous voyez correctement. Voilà, donc ça c'est la première série. On va regarder le prochain. Ça, là-dedans, c'est là où j'ai toutes mes ultra rares. Donc que j'ai trié par série. Donc vraiment, j'espère que ce style de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu, à commenter, à partager. Celle-là, on l'a eu durant une vidéo où j'ai ouvert une display. On l'avait eu en vidéo, si vous vous souvenez bien. Ah, j'ai des bonnes cartes, hein. Après, il y aura même des plus anciennes derrière. Les X, qui a bercé d'ailleurs mon enfance, c'était X pareil. Un petit Pikachu, première édition bizarre. Sympathique la petite Reptincelle là, première édition. Rocket. Bon là c'est un peu des japonaises là. Ah, du Pokémon Go japonais. Pour ceux qui se souviennent de cette carte, c'est une carte amiibo qu'on pouvait que avoir dans un jeu Wii U, si je ne me trompe pas. Et là, on va faire ma collection que je suis en train de faire actuellement, donc violet écarlate, écarlate et violette. Bon,
Moi, il m'en manque pas mal, hein, donc si jamais, potentiellement, vous vendez des cartes de cette série-là, je suis grave preneur. Après, on va faire une petite comparaison entre les nouvelles ex et les anciennes. Personnellement, je suis plus fan des anciennes que des nouvelles. Par contre, celle-là, elle est magnifique. Bon, je passe assez vite parce que cette série, elle est assez grande. Je vais vous montrer en mode comme ça et je ferai. Ouais, voilà, je vous montrerai les meilleures cartes de près, quoi. Comme celle-ci, là, elle est magnifique, là. Là, comme là, j'ai Gardevoir X, Brunette X. N'hésitez pas à vous abonner, franchement, si vous voulez plus de vidéos sur du Pokémon. Quatox X, pas mal. Là, je crois pas. Ouais, là, il manque la. Froigrain X. On arrive avec un petit Pachirisu. Je crois que je l'ai eu en vidéo, elle aussi. Hein. Il me semble que je l'ai eu en vidéo. Riolu, magnifique. Kirlia. Oh, petit Gardevoir là. Un petit Gardevoir, ça serait sympathique. Dogrino. Ma seule ex Full Art. Bon, là j'en ai aucune. Bon, il m'en manque énormément. Bon, là, c'est les promos. Coraidon promo qu'on a ouvert durant la ETB Écarlate. Et ça, c'est mes doubles, hein, si jamais ça vous intéresse, contre. Je suis à la recherche du Léviator. Donc, si jamais quelqu'un serait intéressé pour m'échanger la Léviator contre une de ces deux-là, je serais grave preneur. Donc, on va faire une petite comparaison du coup entre les ex et celui-là. Je vais prendre celle-là. En vrai, n'y a pas photo, celle-là, et c'était magnifique. Sans du détail et tout. Magnifique. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!